Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. J'ai mis le point sur une prochaine supérette, Cooper. Non, on ne rentre pas. Oui, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais on peut pas. Le monsieur est caché derrière le comptoir, il a peur. Ça commence à vous casser les couilles, Cooper, si vous voulez mon avis. Oui, 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 oui. Allez, je vous mets un nouveau point, Cooper. Tu veux pas aller au commissariat plutôt Non, non, on va faire ce qu'on a à faire, Cooper. Oui, mais ce que tu as à faire, j'ai pas J'ai pas de voiture, donc tu m'achètes une voiture et dans ce cas-là... Je peux pas t'en acheter une, j'ai pris toutes mes économies dans celle-ci. C'est un mensonge, Cooper. Bon, je te dépose, tu fais vite. Oh la vache! Waouh! C'était impressionnant ça, Sterling! On a bloqué la voiture, Cooper. Non, on n'a pas bloqué, non, wow. Vous inquiétez pas, Sterling, vous inquiétez pas. Où avez-vous vu ce que j'ai vu? Venez, Cooper. Vous croyez que c'est accessible, mon Sterling? Oui, 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 j'ai les clés. Allons chez le barbier. Attends. Allons chez le barbier, Cooper. Attends, Sterling! Vas-y, viens vite, oui, je pense que tu devrais monter, Sterling. On va mourir, Sterling. Mais non, pas bien. Waouh! Waouh! Toujours aussi impressionnant. Allez, rentrons. Il s'est rien passé, Cooper. En tout cas, cette petite sieste m'a mis d'aplomb. Oui, oui, moi aussi, ça m'a fait du bien. J'ai rêvé que je prenais un hélicoptère, Cooper. Ne rentrez pas, Sterling. Attendez, je vous mets le point maintenant. Appelle le mécanicien, envoie un message, voir s'il est disponible. Oui, bien sûr, Cooper. Elle tourne mieux, par contre, depuis... Oui, je vois ça. Ça a recadré la canne, ok. Je pense que c'est l'alignement des roues. Bon, bah c'est de la merde, c'est pas ici, Cooper. Allô? Oui, bonjour, madame la présidente, comment allez-vous? Qui est-ce? Je vous entends très mal. C'est Sterling, de Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, madame. Ah, écoutez, je ne peux absolument pas discuter, juste derrière, je vous rappelle avec le magasin de boutique derrière. Très bien, très vite. Merci. Elle a l'air fort blasé. Waouh. Non, va dans la boutique de magasin, juste derrière. Quelle boutique de magasin, juste derrière? Gauche, tourne à gauche. J'ai trouvé, mais est-ce que t'as du liquide? J'ai plus de liquide sur moi. Faudrait juste $50, Cooper. J'ai acheté des nouvelles lunettes aussi, il faut que je les mette. Merci, Cooper. On dirait moi qu'elle tombe ma mère dans la voiture, c'est l'enfer. Moi, j'ai pas assez d'argent non plus pour les lunettes. Je verrai rien, c'est pas grave. On est dans la merde. Alors Dis-moi tout, Cooper. Il faut qu'on réclame notre argent au banquier, Cooper. Est-ce que tu peux l'appeler? Oui, mais il faut que tu m'expliques qu'on est dans la merde. Pour... Mais la voiture, abruti! On a fait 3 fois le tour du quartier pour ta coupe de mort et on peut pas gérer la voiture et elle boite. Je vois bien. Appelle un mécanicien, enfin. Mais ça répond pas. Est-ce que tu as essayé d'aller au concessionnaire, Cooper? Le concessionnaire peut pas s'occuper. Le mécanicien, plutôt. Le mécanicien. Le mécanicien a dit au moment où j'ai tweeté qu'ils étaient fermés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu trop luxueux. C'est à l'hôtel 2000, peut-être. Pour être très honnête avec vous, j'ai très peu dormi, Sterling. Je ne suis pas dans mon assiette. Oui, je peux comprendre. Donc il est possible que j'ai des coups d'énervement. On est censé voir qui, la Cooper? Personne. Voir un petit peu ce qui peut se passer. Oui, l'intérieur. Oui, j'ai cru qu'on était en alerte. De gros évadés qui sont évadés. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment évadés? C'est la question qu'on peut se permettre de se poser. C'est la question que nous posons. Est-ce une négligence de la police? Voilà. C'est la question que nous posons. Commissariat plutôt mouvant, comme d'habitude, hein. Oui, oui. Bah, il n'y a pas le procureur, hein. C'est son commissariat. D'ailleurs, elle lui a parlé ou pas, l'avocate? Pas la présidente? Parler de... Mais elle devait parler au procureur, le sermonner. Oui, mais quand je l'ai appelé, j'avais l'air de la déranger. Au pire, as-tu son numéro? À qui? À la présidente. Non. Bonjour, monsieur l'huissier. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur l'avocat au gros barreau. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Un peu compliqué. Une matinée un peu compliquée, on doit vous l'avouer. Une matinée difficile. J'ai perdu ma barbe, j'ai dû changer de lunettes et un hélicoptère. Les mots sont durs et voilà. Ça vous a coûté $50, Sterling. Au minima. Dites-moi, monsieur l'huissier, qu'avez-vous à nous dire en ce moment? Est-ce que la présidente va bien? Écoutez, elle va plutôt bien en ce moment. Elle n'a pourtant pas l'air dans son état quand je l'ai appelée. Dites donc, vous mettez à fumer, monsieur l'huissier.
Mais ça fait longtemps que je fume. Arrêtez cette saloperie. J'essaye. Mais je n'y arrive pas. Vous allez mourir, monsieur. Il faut bien mourir de quelque chose. Oui, mais vous allez mourir très vite. Beaucoup plus vite. Mais mourir d'une nécrose du poumon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, monsieur. Vous gagnez un point, je la jette. Oui, il y a aucun argument. De la clope. Donnez-moi vos cigarettes, je vais les jeter. Tenez, je vous les donne. Vous avez raison, je vais reprendre ça en main. Je compte sur vous pour un peu de sérieux, monsieur. Bien sûr. Au sujet de la présidente. Nous disions. Je sais pas, je l'ai appelée, elle avait l'air très occupée. Pouvez-vous l'appeler, s'il vous plaît, histoire de voir si elle est tout aussi occupée avec vous. Très bien. Pour quelle raison voulez-vous que je l'appelle? Pour savoir si tout va bien, oui, tout simplement. Hein. Très bien, bah écoutez, je vais l'appeler, on verra bien. Si elle a besoin de quelque chose, de croquettes, d'un bonnet ou de quoi que ce soit. Bien sûr. Bonsoir, madame la présidente. Comment allez-vous? Non, pas forcément. C'était juste pour savoir comment vous allez, si tout va bien de votre côté, si vous n'êtes pas en danger ni rien. Ne dites pas que nous sommes là, ne dites pas. Non, je ne sais pas. Nous ne sommes pas là d'ailleurs. Ah bah parfait, alors si tout va bien, tout va bien. Alors. Bonne soirée à vous. Ah, okay, écoutez, elle avait l'air pressée quand même. Voilà, on est d'accord. Il y a un petit truc. Vous en pensez quoi, monsieur Lucet? Écoutez, pour moi, elle paraissait pressée. Je pense que je dois l'appeler moi aussi, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Oui, appelez-le. Donnez-moi le numéro, Cooper. Je pense que vous pouvez l'appeler, oui. Attendez, je vous le donne. Oui, bonjour madame la présidente, ici Sterling Cooper, avocat au gros barreau. Je vous appelais au sujet de la dernière affaire que nous avons. Voilà, je venais au fait des éléments qu'il y a pu avoir de nouveau sur l'affaire concernée. Non, c'est une question, madame. C'est moi qui vous pose la question. Voilà. Rien n'a changé, d'accord. Vous êtes sûr? Non, le ton de votre voix m'indique tout le contraire, madame. Quelque chose ne va pas. Si vous êtes en danger, madame, si vous êtes en danger, dites coin-coin. Vous êtes sûr? Dites coin-coin, si vos ravisseurs sont là, dites coin-coin trois fois. Madame la présidente, c'est une question de vie ou de mort. Oui, bien sûr. Alors, on va enquérir des nouvelles, madame. Très bien, au revoir. Bon, elle a pas dit coin-coin, Cooper. C'est que tout va bien, alors. Elle avait l'air un peu pressée, tout de même, donc. Oui, un petit peu, dans la pressitude. Sterling, j'ai une petite idée. Allons de ce pas à l'hôpital. Monsieur l'huissier, est-ce que des policiers, des forces de l'ordre vont arriver, un commandant ou autre ici? Écoutez, pour vous avouer, je ne sais pas. Je les ai vus tout à l'heure, tous devant le Bénise. Apparemment, une opération, je ne sais pas. Ok, on va au Bénise, oui, Cooper. Allons au Bénise. Oui, de toute façon, on doit réparer notre véhicule. De toute façon, il faut qu'on répare l'auto, Cooper, donc ça tombe bien. Messieurs, je vous informe quand même, le Bénise ne répare pas de véhicule, il faut aller au LS Custom pour ça. Oui, allons au LS Custom, allons au LS Custom. On va où on veut. Très bien, bonne journée, messieurs, amusez-vous. Merci, monsieur l'huissier, et soyez prudent. Oh oui, toujours. J'ai dû rentrer le ventre, Sterling. Oui, je comprends, mais ces barrières, c'est une horreur. Allons, Bénise. Le Bénise sert à quoi s'il répare pas d'ailleurs? Oui, je ne sais pas, mais on va leur demander de réparer la voiture. Et... Il me semble, Cooper, qu'il s'agit d'un garage. Imaginons que mes freins lâchent, mon cher Sterling, parce que la voiture est endommagée. Eh ben, ça fera un mécanicien de moins dans cette ville, Cooper. C'est belle opération. Belle opération. On est payé des lumières, au fond, Cooper. Ben voilà, une voiture toute neuve, Cooper. Bon, Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Monsieur, madame. Baisse la fenêtre, il va peut-être pas m'entendre. Je vais lui faire des signes. Mais la fenêtre monsieur, est cassée. Monsieur, vous me voyez là? Monsieur. Bonsoir. Oui, monsieur. Bonsoir, oui, excusez-moi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un apte à réparer un véhicule? Ouais, ça peut se trouver, ouais. Ouais, dites-nous en plus, monsieur. Oui, allez au bout. Vous avez essayé de passer au Drift Motors? Le Drift Motors. Il y a quelqu'un à cette heure-ci? On peut aller voir directement au magasin si. On vous suit, monsieur. Ça devient difficile pour la voiture. Oui, il faut qu'il aille moins vite, quand même. Non, il faut surtout plus que je m'arrête. Colle-lui au basque, Cooper. Je lui colle. Et appuie sur le champignon. Je suis au maximum, Sterling. Et par contre, il a une grosse voiture, mais il roule pas. Hein. Ah, c'est ici. Oh, mais c'est à notre client, ça. Pas le vendre, mais en mode le remplace. Je pense qu'il peut le. Et bonsoir. Bonsoir José. Merci beaucoup monsieur. Il peut le transférer je pense. Très aimable à vous monsieur. Je vous en prie. T'entends, tu fais des réparations? Ouais. Ouais je t'ai amené deux clients, ils cherchaient pour réparer leur 4x4. Je t'ai pas fait de facture d'ailleurs Hakim toi. T'es passé à côté de la banque. Monsieur, bon courage. Merci beaucoup monsieur. Très aimable à vous. C'est Sterling et Cooper, comment allez-vous? Ça va bien monsieur. Vu l'état de la voiture, ça va pas très bien. C'est la vôtre ce kangou familial là? Ce n'est pas un kangou familial. Monsieur, c'est une Odo. Une voiture allemande. Odo. Pardon. Un SUV. C'est une Odo. Un SUV. Odo GQ, monsieur. C'est une GQ. En vacances.
Nous partons pas en vacances, monsieur, c'est notre voiture de fonction. On a beaucoup de dossiers à mettre et il faut que ça soit mis dans le... Et la loi prend la place, monsieur. Vous revenez de la guerre ou c'est comment, là? La loi prend la place, monsieur. Vous savez, la guerre abîme, monsieur. La loi abîme, plutôt, je vous l'ai dit. Vous perdez dans vos mots. Ouais, vous perdez dans vos mots, là. Monsieur, vos mots vous perdent. Comment allez-vous, les meilleurs avocats de la ville? Oh, écoutez, on va très bien le préciser. Comment allez-vous, monsieur? Depuis que j'ai récupéré, j'ai retrouvé mon travail, ça va. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous un peu. Oui, donnez-nous au courant. Vous vous souvenez pas de moi? Si, monsieur, on se souvient que vous étiez un employé. On se souvient de tout le monde, monsieur, tout de même. Bah voilà. Bah, mais à la suite de quoi? Ça a donné quoi, les conséquences? C'est ça qu'on veut savoir, monsieur. Ah bah, il y a eu aucune conséquence. Ah, merde. Il y a eu aucune conséquence. J'ai pu retrouver mon travail et voilà. Grâce en gros, à qui, ça, monsieur? Bah, c'est au banquier. Voilà, et donc grâce... À vous. Voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. C'est le principal. Tant que vous êtes heureux, nous sommes heureux, monsieur. C'est vrai. Votre bonheur fait notre bonheur, monsieur, vous savez. On allait peut-être bientôt, enfin, pas moi, mais l'entreprise en elle-même, allez, en peut-être encore vous demander. Mais apparemment, ça s'est réglé sans passer par la justice. Est-ce que vous savez si le banquier est disponible? Je ne l'appelais justement et je ne pense pas. C'est une bonne info. Enfin, je l'appelais, il m'a pas, répondu, donc je pense pas. Je pense que c'est la tête de Delco, monsieur. La tête de Delco, oui, elle est pas très bien fixée. La bougie d'allumage, mais un des deux, je pense. Oui, oui, vous inquiétez. Vous pouvez vérifier le radiateur parce qu'il fait le bruit d'un petit rat mort, monsieur. Vous voulez que je vous le change? Oh, bah c'est du travail bien fait, vite fait, bien fait, ça, Sterling. Bah, vous êtes le plus performant de toute l'entreprise. Nous constatons, monsieur. Vous êtes les meilleurs avocats, je suis le meilleur mécanicien customisateur. Et nous n'en doutons pas. Gérant. Et nous n'en doutons pas, monsieur. Et beau gosse, hein, monsieur. Et surtout avec un très beau téton, monsieur. Bon, dis-moi, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit aileron arrière, vite fait? Des avocats un peu pimpés, monsieur. Oui, voilà. Monsieur, la loi a besoin d'aérodynamisme. La loi a besoin de pimp, monsieur, de pimp. De pimp. Faites rêver la loi, monsieur. Est-ce que vous avez des ressorts au niveau des pneus, monsieur? Parce que la loi est rebondissante. Oh là là. Oui, ça c'est Et vrai. Vous en demandez beaucoup. On a les moyens, monsieur, on a les moyens. Oui, mais vous en demandez beaucoup. On a les moyens puisque vous allez le faire gratuitement, monsieur. Faites rêver la loi, monsieur. Vous savez quoi, on va se retourner? On veut pas voir. On veut la surprise. On va dans la pièce d'à côté, vous venez nous chercher quand vous avez. Vous avez des sous? Non mais on a les moyens, monsieur. Ça coûterait combien à peu près, monsieur? Bah, le véhicule compte combien en lui-même? Oh, je sais pas, combien on avait acheté? 30 dollars? Ah bah ça coûte rien alors, attendez. Voilà. Bon bah voilà, allez, venez nous chercher. On va à côté, vous faites plaisir, monsieur, mais vraiment faites-vous plaisir. Voilà, faites-nous plaisir, on fait plaisir. Très bonne initiative, Cooper, ça me fait... Oui, bon écoute, c'est un petit effet de surprise. Oui, il faut savoir se faire plaisir. Il faut savoir se faire plaisir. Surtout que l'avocat va nous donner quand même 1 million, j'ai oublié de te le dire. Pourquoi? Parce qu'on a gagné. 1 million plus 100 000 chacun. Attends, qui va nous donner 1 million? Le banquier, Cooper. Il te l'a dit? Oui, j'ai reçu un message, j'ai oublié de t'en parler. Donc 500 000 chacun? 600 000 chacun. Mais pourquoi? Parce qu'on a gagné, Cooper. Mais c'est une belle prime. Il est vraiment con. Il est vraiment con. Surtout qu'on n'a pas signé le contrat vu que c'est pour l'exclusivité de nos services. Oui. On prend. C'est pour ça. Attends, je vais essayer de l'appeler. Oui, essaye. Oh, j'ai hâte de voir le résultat, mon Sterling. Oui, d'ici, je peux voir. J'ai pas envie de me spoil. Ne vous spoilez pas. Tout est une histoire de pointe. Mais j'espère qu'il va mettre un spoiler quand même. Oui, j'espère. Ça raccroche au nez maintenant. Je m'en occupe. Je réinsiste, Cooper. Ça sonne, Cooper. Oui, je comprends, Sterling. J'entends la tonalité, Cooper. Oui, j'entends bien, Sterling. C'est une tonalité assez aiguë. Oui, bah je me doute bien, mon petit Sterling. Mais il ne décroche point pour autre. Oui, bah j'entends bien ça, Sterling. Je me dis bien qu'au bout d'un moment, il va décrocher. Oui, bah bien sûr, on se l'aurait tous dit, Sterling. Mais je me demande si c'est pas raccroché, Sterling. C'est l'évidence, Sterling, c'est l'évidence. J'abandonne, oui, Sterling. Abandonné. Vous voyez ce pneu, Sterling? Le celui de droite, là. Oui, celui que je pointe du doigt, là, Sterling. Et mais vous pointez du doigt celui-là ou celui-là? Non, je pointe du doigt celui-là, Sterling. Oui, je le vois, Cooper. Tu vois mon doigt, là, regarde. Oui, je le suis. Je pointe du doigt ton doigt, Cooper. Voilà. Bon. Là, c'est un pneu qui permet de rouler, Sterling. Waouh. Toujours impressionné. Et ça, il m'en faut combien, à peu près? 12. 12, pour avoir une bonne vitesse, c'est ça? Pardon? C'est pour avoir une bonne vitesse, ça, 12. J'ai compris autre chose, Sterling. Je ne comprenais pas autre chose. Vous êtes où? On est là. On est là, monsieur. On est là. C'est de la merde. Mais y'a rien qu'à changer. Si, il a changé la couleur, c'est tout. Oh, mais mettez un normal en termes de klaxonnement. Oui. En tout cas, ça nous plaît beaucoup, monsieur. Ça nous plaît. C'est vrai. Oui, ça nous plaît. En vrai, les gars. Oui, dites-nous. Oui.
Vous mettez combien sur 10 pour mon flow? Je suis un mec, je vais me mettre ça. Mais vous allez où là? Vous allez faire un jogging, monsieur? Ah bah sérieusement, vous mettez combien sur 10? 4. Un bon 4. Un 4 généreux, monsieur. Ah salut. Bonjour madame. Mais non, c'est pas madame, mais c'est monsieur. Excusez-nous. Autant pour nous, autant pour nous. Avec le casque, on a du mal à voir. Vous êtes qui? On est la loi, monsieur. Moi, je suis les Daft Punk. La loi? Dites-moi, c'est Sterling ou Cooper qui paye la voiture? C'est la voiture de Cooper. Cooper? Papa? Comment ça, papa? Pardon? Je ne sais pas. Où est ton fils, Cooper? Il était là. Dans tout ce temps. Bon, bref, Sterling ou Cooper? C'est combien, monsieur? C'est 37 000 dollars. Oh putain, faites moitié, monsieur. C'est moi qui régale, Cooper. C'est moi qui régale. Non, tu es sûr? Oui, vous inquiétez pas, j'ai entendu le banquier, il va vous lâcher un petit salaire apparemment sympathique. Parce que nous sommes les meilleurs avocats. C'est moi qui rigole, c'est moi qui rigole. C'est ma grande sœur, ça. Très bien. Ça a l'air de bien bombarder, hein. Oui, ça a l'air pas mal, Cooper. Je suis vexé, il m'a pas reconnu. Ça va et toi? Merci beaucoup, messieurs. Pourquoi t'as tué l'auto? Bon, pardon. Il faut y aller, Cooper. Il a l'air fatigué. Où ça a l'air d'aller vite? Où ça a l'air d'aller vite? Allez, bombarde-moi tout ça, Cooper. Je veux tout savoir. Oh, regarde, tu veux de la vitesse, Sterling? Accroche-toi. Je veux tout savoir, Cooper. Je veux tout savoir. Waouh. Oh oui, non, ça va vite. Waouh. Est-ce que je peux la conduire, Cooper? Non. Non, parce que nous allons mourir si vous le faites, Sterling. Mais quoi? Oh putain. J'aime bien cette loi. Je ne peux plus m'arrêter. Cooper, la loi arrive, Cooper. Oui, mais la loi aura du retard sur nous. Je pense que nous sommes passés en 2250. Nous sommes dans le futur, Cooper. Rattrape-le, Cooper. Montre-moi ce que t'as. Je vais lui montrer, Sterling. Montre-lui. Je vais l'arrêter pour lui demander s'il a besoin de justice. Voilà, tout à fait. En tout cas, très beau ce qu'il a fait. Très, très beau. Oui, finalement, c'est pas si dégueulasse. Tu le manges, Cooper. Waouh! Je crois que c'est pour nous, c'est Cooper. Non, je fais genre. Tout va bien. Du lentement, nous sommes. De toute façon, ne t'arrête jamais, Cooper. Nous sommes qu'à 60. À l'ouest, tu pues. Sur le bas-côté, messieurs, sur le bas-côté. Ne m'écoute pas. Oui, vous parlez à qui, monsieur? Sur le bas-côté, monsieur, tout de suite, là, allez. Oui, vous parlez à qui, monsieur? Waouh! Waouh! Démarre! Démarre! Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, Sterling, j'ai peur, je panique, Sterling. Démarre! Waouh! Marseille, Cooper! Monsieur, on fait quoi, monsieur? On fait quoi? Cours! Je ne veux pas mourir, Cooper. On bouge pas! Allez, descendez maintenant. Non, non, bah pas nous comme nous ça. Nous ne sommes pas certains de descendre, monsieur. J'ai dit descendez. Non, vous là, descendez, monsieur. Vous descendez d'abord et nous descendons, monsieur. Allez, descendez. Ouais, c'est vrai, désolé. Oui, voilà, faut pas. Et maintenant, vous nettoyez. Non, non, attends, avant, il nettoie le capot. Oui, nettoyez un petit peu le capot. Nettoyez un peu, monsieur, et on descendra. Chut. Tant mieux que ça. Prenez une chiffonnette, monsieur. Il y a des chiffonnettes. Il y a des chiffonnettes, monsieur, dans votre poche. Et après, nous nous mettons sur le bas côté, monsieur. Vas-y, fais marche arrière, il a deux tournées. Ah là là, Sterling, ça lance coffre. Cher, ça, Sterling. Oui, c'est vrai. Oui, on connaît la loi. Et une fuite, c'est interdit. Mais tu t'en quand même pour chercher ça, oui, mais bon, après. Après, c'est un peu. C'est bon, je les ai. Ah, très bien, monsieur. Voilà, bambin, voilà. Allez, c'est parti. Attention, Cooper, il y a une voiture de. Alors, monsieur, prenez aussi pressé que ça. La loi, monsieur. La loi, monsieur. La loi n'attend pas, monsieur. Qu'est-ce qui se passe avec la loi? Eh ben, la loi, c'est moi, monsieur. Waouh! Waouh! Monsieur, vous avez parti de votre casque depuis combien d'années, monsieur? Il faut retirer le casque de temps en temps. Monsieur, remettez le casque quand vous nous parlez. Oui, remettez, s'il vous plaît, parce que là, je. Waouh! Voilà, merci, merci. Oui, y'a pas de soucis. Oui, dites-nous alors. Est-ce que vous. Je ne vois que ça maintenant, Cooper. Ça entra mes nuits, ça. Ah là là, ça je vous dis, ça entra mes nuits, Sterling. Ça m'a pourri les yeux, Cooper. Dites-nous tout, monsieur. Non, mais fuck you. Ah d'accord, c'est pas très gentil. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Mais très gentil, très aimable. Ah oui, c'est deux fois, oui, c'est vrai. Très aimable, mais horrible personne physique. Très aimable, mais beaucoup de défauts, beaucoup de défauts. Bonjour messieurs, nous sommes Sterling Cooper. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Mais vous, c'est ce qui vous est arrivé? Non, mais ça va, monsieur. Monsieur Carmel crée enchanté. Bonjour, monsieur Sterling Cooper, avocat au groupe. Mais vous êtes immaculé de sang. Et vous connaissez. Non, c'est vous qui êtes immaculé de sang. Non, c'est vous qui êtes immaculé de sang, monsieur. Mais moi, je vous vois plein de sang, genre vraiment. C'est vous qui êtes immaculé. Non, c'est vous qui êtes immaculé. C'est vous qui êtes. Vous, vous êtes éjaculé. Non, vous, vous êtes éjaculé. Vous, vous m'éjaculez, monsieur. De sang. Je reçois votre éjaculation. Messieurs, un petit peu. Éjaculons ensemble. Éjaculons. Monsieur, qui êtes-vous pour commencer, monsieur? Vous parlez de qui? L'homme immaculé de sang. C'est le procureur. Regardez, je vais enlever ma casquette. Hop, non, mais non. Je rêve, vous avez un gilet pare-balles de la police maintenant. Waouh! Je suis plus procureur. Non, mais là, ça va trop loin. Là, ça m'a énervé. En fait, vous connaissez le principe de l'émission Patron Incognito? Patron Incognito. Voilà, c'est pareil. Donc, vous n'êtes pas de patron de la police, ça, il faut vous le mettre en tête. Bah, maintenant, je le suis, parce que je suis plus procureur. Mais vous êtes quoi alors, monsieur? Je suis ce qu'on appelle un homme itinérant à la recherche d'aventure. ASDL. J'ai envie de vous baffer la gueule, monsieur. Bah, moi aussi, j'ai envie de vous la baffer. Voilà, je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Vous voyez le poteau qui nous sépare, j'ai envie de le mettre là où je pense, monsieur. Voilà. Moi aussi, est-ce que vous me souhaitez faire pareil? Il y a un banquier ici ou pas? Bah vous commencez, puis on suit. Mais tu t'es cru dans pas jaune ou quoi?
j'écoute la loi. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites à part rien? Bah là, je vais lancer une procédure de destitution envers la présidente. D'accord. Pourquoi non? Alors, vous voulez que je vous explique? Oui. Oui, brièvement. D'accord, je vous explique en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un mandat. C'est pas ça, elle a fait un mandat d'arrêt, et en fait, dans le mandat d'arrêt, donc déjà les présidentes, hein, elle a fait un mandat d'arrêt où elle se nomme juge fédéral, et donc par conséquent, elle a violé la séparation des pouvoirs qui est propre à notre constitution, l'article 2-1-2-3, pardon, et elle se nomme juge fédéral alors qu'elle est présidente. Mais vous l'avez fait une trentaine de fois, monsieur le procureur, voyez. Bah monsieur... non, négatif, je l'ai pas écrit. Non, c'est faux. Nous sommes en état d'urgence, donc elle a tout à fait le droit de. C'est dommage, je voulais vous prendre comme avocat. Non, mais vous êtes procureur, monsieur. Mais alors? Et vous êtes procureur, vous représentez l'État, monsieur. Je ne suis plus procureur. Vous êtes quoi, mais vous êtes quoi? Je suis un simple citoyen, comme vous et moi. Avec un gilet pare-balles, avec écrit police. Avec un gilet pare-balles de la police. C'est pas notre incognito, c'est le principe de l'émission. Non, mais c'est interdit par la loi, ça, monsieur. C'est qui le nouveau procureur, alors? Il y en a pas pour l'instant. Et votre bonne femme, là, elle devient quoi? C'est pas ma femme. Mais si, vous savez, celle qui perd tout ses. Non, vraiment, c'est pas ma femme. Oui, votre chatounette. Oh. Oui, bah, c'est votre objet de plaisir, monsieur. Oui, non. C'est votre objet de sensualité, monsieur. Oui, voilà, non. Vous trempez votre nouille un petit peu comme. Non, non. Un petit peu comme le pied de la justice. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle que vous soyez plus procureur parce que vous étiez très incompétent. Et bah, je prends ça comme un compliment de votre part. Et c'est vrai que c'est une excellente nouvelle. Et c'est une excellente nouvelle. Bon, vous êtes quoi alors, monsieur? Bah, là, je vais réfléchir un peu à ce que je vais faire, mais là, je vais lancer, en tout cas, je vais demander à ce que la procédure de destitution soit lancée. Vous n'y arriverez jamais, monsieur. Elle a de très bons avocats, j'ai entendu dire. Bah, c'est pas mon problème qu'elle ait des bons avocats ou pas. La loi, c'est la loi. Oui, justement. Nous la connaissons, la loi. Bah voilà. Donc, là, je pense que ces avocats connaissent la loi. Mais bien vous êtes huissier, que... monsieur? Comment? Non, à gauche, vous êtes. Oui, c'est monsieur. Oui, je suis huissier, oui. Messieurs, vous êtes frère, vous êtes très souvent ensemble, finalement, non? Oui, peut-être vous êtes copain. Oui, peut-être. Oh, bah, nous ne sommes pas là pour juger. Voilà, nous ne sommes pas là pour juger. Nous, voilà. Est-ce que vous trempez la nouille avec ce monsieur? Oui, voilà. Certains, vous êtes des malades, mais. Eh, monsieur, nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021, nous avons le droit de nous questionner. 2023, oubliez pas qu'on a 2 ans plus. Écoutez, monsieur, vous pouvez nous poser la question, nous ne serons aucunement. Et vous, est-ce que vous vous trempez mutuellement la nouille? Ça dépend. Non, bon, ça dépend. Bon, ce moment. Une bière de trop, mais après, il y a des fois, ça vous arrive de vous tremper? On se trempe la nouille. Voilà, oui, ça arrive. Combien de fois, genre à quelle fréquence? Si vous posez trop de questions du scrutin. Oui, voilà, vous êtes plus procureur, monsieur. Oui, vous êtes plus. Mais même, ça change quoi que je procure ou pas pour vous poser ces questions? Oui, mais la vérité peut vous faire mal, monsieur. Oui, vous n'êtes pas prêt, monsieur. Mais vous le faites une fois par semaine? Monsieur, restez décent et un peu dignité, on vous demande. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez rien pu faire. Ça marche. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et de passer une bonne soirée, bonne destitution de la présidente. Bonne destitution. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Vous voulez être président, je suppose? Non. Oui, si ça sent le président. Oui, ça sent le président Sterling. Oui, un petit arriviste comme lui, ça sent le président. Non. Tu penses qu'il va y arriver, Sterling? Non, je pense pas qu'il va y arriver. 1 000 $ qu'il n'y arrive pas, Sterling. 2 000 $ qu'il n'y arrive pas. 2 000 $ Mais pariez pas votre paye mensuelle, s'il vous plaît, arrêtez. Oh, bah vous savez. Nous, on est bien, on n'a rien à reprocher à personne. Nous, on est bien, monsieur. Vous savez ce qu'on dit, monsieur, dans la vie? Nous n'avons pas besoin de traîner en Lamborghini pour montrer que nous avons des valeurs, monsieur. Mais vous traînez en quoi alors? En Odo. Auto. Non, Odo. Odo, la marque Odo. Auto, Lodo. Monsieur, si vous ne connaissez pas les voitures allemandes, évitez de nous d'en dégoûter les autres, n'est-ce pas? Monsieur l'huissier? Oui. Qui allez-vous escroquer aujourd'hui, dites-nous? Si vous saviez. Oh là là, on veut le savoir, monsieur. On veut savoir. On veut le savoir. Bah, vous savez quoi, on veut le savoir maintenant. Tellement de monde. Je ne pourrais même pas les compter sur les doigts de la main. Et vous donnez tous vos salaires à monsieur l'homme en face? On ne sait pas ce qu'il fait. Non, mais pour le gouvernement, voyons. Oula! Waouh! Quelqu'un a mangé mexicain, c'est vous, monsieur, non? C'est un malade, qu'est-ce qu'il raconte? Non, dites-nous. Monsieur, un peu de dignité. Oui, un peu de dignité, restez digne, monsieur. Avec votre mexicain, là, c'est quoi ces phrases, là, toutes faites, là? Vous n'avez jamais mangé mexicain, peut-être, monsieur? Non, jamais. Voilà. Mais nous, on n'a pas préjugé, au moins. Quand vous mangez mexicain, ça donne ça, à chaque fois? On pète énormément, monsieur, oui. Ah oui, c'est normal. J'ai des flatulences. Oui, j'ai aucun mal à le dire, j'ai des flatulences. Bien sûr, mais il faut le dire, Sterling. De toute façon, des flatulences travaillent sur l'intestin grêle. Voilà. Hein, j'ai des flatulences gazeuses. Oui, ça crée des gaz, Sterling. Exactement, ça crée des gaz. Vous savez dû à quoi? Le bicarbonate naturel, le H2O. H2O, c'est l'eau? Non, H2O, c'est plus que de l'eau, monsieur. Ah, c'est plus. Oui, il faut faire un effort, monsieur, s'il vous plaît. Oh, j'ai renvoyé un message, Cooper. Bonjour, madame. Où pouvons-nous avoir des armes, messieurs, dames? Oui, on recherche des armes. Pas une madame. Où pouvons-nous trouver des armes, monsieur? À la Munition, monsieur. Non, mais où est-ce qu'on peut trouver un des armes avec un vendeur qui vend des voilà, armes? Voilà, avec à la Munition, bah. Vous laissez un numéro? Y a pas de vendeur. Oui, on veut bien son numéro. Oh, oui, donnez le numéro. Son numéro? Oui. Allez, partons. On va acheter des armes. J'ai réussi, Cooper, j'ai réussi, vous avez Et nous allons tuer du monde. Allons tuer des gens. De toute façon, y a pas de policier pour nous entendre.
Oui, on connaît la loi. D'ailleurs, les deux personnes, on va les tuer. Oui. Et d'ailleurs, allez, Chebes. Voilà, c'est cadeau. Allez, Chebes, Buzz. Donc, il est plus procureur. Je le passage piéton, s'il vous plaît. Le passage piéton, messieurs, on connaît la loi. Hein. Ouais, bah, j'étais sur le passage piéton. Oui, mais non. Ouais, bah, je m'en fous. Je suis mauvaise humeur, le fait. Laissez Chebes sortir, messieurs. Baisse d'un ton. Oui, allez, Tahiti Bob, calmez-vous. Allez, il est parti. On y va. On faut pas nous chauffer aujourd'hui, j'ai l'impression. Commence à nous casser les couilles. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Est-ce que. Attends, on va aller à la munition. Il y a personne. J'ai appelé, il y a personne. Veux-tu rappeler la présidente pour lui tenir au courant de ce qui se passe? Il se passe quoi, Coupin? Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas où je vais, mais bon, il faut y aller. Elle ne décroche pas, Coupin. Il y a quelqu'un dans la voiture? Allons-y. Allons-y, quoi? Nous sommes auxiliaires de justice. Nous allons la ramener là où elle a été. Si elle est perdue. Bah, dites donc, ça va vite, ça, Sterling. Oh, c'est pas mal aussi, Coupin. Déposez-moi devant le commissariat, je vous prie. Waouh! Toujours impressionnant. Comment on met la sirène? Klaxon, Cooper. Bizarre. Et si on arrêtait des gens? Je ne vous connais pas. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous sortez du véhicule, monsieur. Monsieur, mais quoi? Il a volé avec le véhicule. Monsieur, la sortie du véhicule, quand même. Non, mais monsieur, je la rapporte tout simplement. Nous l'avons trouvé, monsieur. Bien joué. Monsieur, j'aimerais bien parler avec vous deux, messieurs. Entretenir. Oui, venez, monsieur. Venez, venez. Attendez quoi? Et vous voulez pas la garer tout de même? Elle est sur la route. Oui, vous la garer, monsieur. Monsieur. Excusez-moi, est-ce que ce monsieur est agent de police, monsieur? Oh non, c'est bien ce que je vois. Qu'est-ce qu'il non, fait? Non, bah il conduit dans une voiture. Ouais, je vois ça. Il est agent de police, monsieur. Négatif. Vous l'arrêtez, monsieur. Très bien. Bon, dites donc, monsieur. Attendez, avant de vous présenter, est-ce que vous avez au moins 35 000 dollars chacun? Donc la modique zone de 70 000 dollars, monsieur. Mais pourquoi? Pour nous parler, boulot, monsieur. Pour faire notre... Non, mais je vais vous expliquer après. Non, le temps c'est de l'argent, monsieur. Ok, bah le temps que vous perdez à me dire que le temps que c'est de l'argent, bah moi j'aurais pu vous dire autre chose. Est-ce que vous avez la somme escomptée ou non? Est-ce que vous êtes prêt à engranger plus d'argent que la somme que vous me demandez actuellement? Bon, dites-nous alors, faites vite. Dites-nous. Monsieur. Alors, oui, du coup, vous voyez le procureur? Oui, nous voyons. Non, on ne le voit plus. Parce qu'il n'est plus procureur, monsieur. Non, mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le procureur a besoin d'avocat et moi je vous connais, je sais très bien que vous. Il n'est plus procureur, monsieur. Oui, il nous a menti. Bon, l'ancien procureur a besoin d'avocat de renom et il m'a dit que vous ne vouliez pas le défendre, ça n'est, c'est vrai? Parce que nous avons la présidente, monsieur. Monsieur, nous sommes les avocats de la présidente, nous ne pouvons pas. Ah, vous pouvez pas? Et s'il vous propose une grosse somme? On parle de combien, monsieur? Pardon, on parle de plus de 5 chiffres. Combien, monsieur? Je sais pas, moi, 100 000. Quoi? Oh, de la petite monnaie. La petite monnaie, monsieur. Monsieur, sachez que notre dernier virement est $1 million, monsieur. Voilà, je vous le rappelle. Vous êtes des gens de la haute. Oui, non, c'est surtout, nous sommes des gens qui... Des gens performants, monsieur. Voilà, nous sommes des gens du côté de la justice. Oui, on m'avait déjà vanté vos talents. Mais le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas ces ressources financières, mais peut-être qu'après qu'on aurait gagné ce procès, on aura les ressources financières. Mais pourquoi voulez-vous qu'on défende le procureur? Qu'a-t-il fait, monsieur? Parce que le procureur, sa candidature pour la présidentielle n'a pas été acceptée, malheureusement. Qu'est-ce qu'on disait? On était sur la bonne voie. Hein. On n'est pas les meilleurs pour rien. C'est ce qu'il vous a dit? Enfin, c'est ce que vous non, avez non, dit, on l'a deviné. On l'a deviné. Ok. Et du coup, voilà. D'ailleurs, tu me dois 2 000 $, Cooper, et je te dois 2 000 $. Donc, qu'est-ce que ça vous en dites, quoi? On va appeler la présidente pour savoir combien elle paye. Vous retournez contre, par exemple, ça pourrait être qu'à votre bénéfice. Enfin, je veux dire que peut-être oui, qu'elle ne paye pas. C'est nous qui décidons, monsieur. Vos arguments sont pas bons. On décidera de nous-mêmes. Oui, je m'étais pardon. C'est surtout que le procureur, malheureusement, a beaucoup fauté. Oui, bonjour, madame la présidente des États-Unis d'Amérique, de la ville de Los Santos. Je suis Sterling, de Sterling Cooper, votre avocat préféré. Vous êtes le garde du corps, c'est ça? Ouais. D'accord. Je suis au conseiller, c'est un peu... Alors, le procureur, qu'est-ce qu'il est, finalement, monsieur? C'est-à-dire? Il est quoi? C'est quoi son statut social, monsieur? Son travail? Il est procureur. Donc, il est toujours procureur? Pourquoi nous a-t-il menti? Enfin, je sais pas du tout, mais il me semble qu'il est pas... Enfin, je sais pas du tout, mais... Mais en tout cas, je pense qu'il va démissionner pour pouvoir accepter, pour pouvoir faire sa candidature. Il va démissionner du procurado pour devenir président, c'est ça? Procurado, ah oui, c'est même. C'est bien ah ça, oui, monsieur. Je pense ça. D'accord, bonjour. Prenez mes informations avec pincette. Oui, bien sûr, du pincette. Cooper, il y a quelque chose qui m'a pas plu, Cooper. Ah, de la présidence. Jusqu'ici, tout allait bien. Lorsqu'à la fin, elle m'a dit... Bon, je lui ai expliqué les tenants, les aboutissants de l'affaire qui allait peut-être à moi. Et elle m'a dit, oh, d'accord, ok, très bien, on verra. Et elle m'a dit à la fin, vous travaillerez de pair avec Maître Amadou. Et je lui ai dit, je vous rappelle. J'ai raccroché au nez. Oui, c'est normal. De pair. Je ne travaille pas avec un autre avocat. Qui est Maître Amadou, c'est ça, Amadeus? Amadou. C'est quoi, c'est un Égyptien? C'est un hiéroglyphe. D'accord, Moi, je vous dis que si elle vous met à quelqu'un d'aussi bas renom, c'est que
elle n'a pas une grande estime. Qui est maître Amadeus? Ah bah il est pas très connu, c'est quelqu'un qui fait des, qui défend des Est-ce que vous pouvez l'appeler, monsieur? Appelez-le, on va lui causer trois mots. Oui, demandez à l'invocation de venir ici. Parce que là, qu'elle aille se faire, voilà, hein, tout le respect de la loi, etc. Oui, le respect de la propreté et tout ça. On n'y arrive pas, le monsieur Amadeus, là. Bon, d'après mes informations, c'est pas quelqu'un de En tout cas, elle avait pas l'air au courant de la destitution. Et c'est tout simplement Sterling, parce qu'ils en ont pas fait part, je pense. Voilà, mais moi j'en ai fait part. Oui, bah oui. Qu'est-ce que, voilà, moi je suis là, je suis l'intermédiaire. Oui, j'en parle, faut qu'on en parle sérieusement, écoute. Il va falloir qu'on en parle très sérieusement au bureau. Non, il va falloir pour l'instant... Ok, juste sachez que si vous faites ça, c'est un gros coup, ce sera contre la présidente, donc... Oui, mais contre mais le procureur, contre, si... c'est un gros coup aussi, vous inquiétez voilà, pas. Voilà, sachez juste que si... vous souhaitez nos services, il va falloir raquer. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Surtout pour le procureur, il y a la prime procureur en fait. On a une clause dans notre contrat, prime procureur, c'est plus 75 000 $. C'est la prime, il y a le montant des honoraires à payer, plus 75 000 chacun. Ça reviendrait à un minimum de 235 000 chacun. Minimum. Et je parle bien d'un minimum. Ce qui me paraît raisonnable, procès, mon cher Sterling. Et si on gagne le procès, monsieur, il faut rajouter 100 000 chacun, monsieur. Si nous gagnons le procès, évidemment, monsieur. Si nous gagnons le procès, alors, le procureur me dit que c'est une somme assez considérable, mais que. Nous considérons. Il fait confiance. Voilà, il faut qu'il considère surtout qu'on est les. Il a pleine confiance en vous. Bah, il a démissionné parce qu'il est tombé sur le plus con, tout simplement, monsieur. Je pense qu'ils ont arrêté un criminel. Ça va être peut-être notre heure de gloire, mon cher. Mon cher Cooper, je pense que j'ai envie de faire rayonner la loi. Il a dit il vous recontacte demain. Voilà. C'est bon. Oui, on verra. On verra, monsieur. On va en parler avec monsieur. Demain, à partir de minuit, monsieur. Minuit. Voilà, minuit, l'heure de l'heure. C'est rectangulaire, monsieur. Au revoir.